on va jouer les points. Je vais prendre 40 nocturne. Points. Nocturne. Alors, quelle nuit, à quel endroit, avec qui, magique par exemple, comme Catherine Lara. Nuit magique, une histoire d'une nuit, dit tout mon amour. Ou alors. Moi, je vais toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées balassiennes. Ok. Je connais l'une des deux personnes. Hein, je... Bonsoir. Bonsoir. Je me permets d'embrasser quand même. Comment ça va? Alors bon, soit déjà bienvenue à Jean-Luc Reichmann. Salut. Bonsoir Nagui. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas pleurer, je vous assure. Oui, je sais, il y a une odeur bizarre, mais c'est normal. Faut pas pleurer. Faut pas... Non, je sais. C'est toujours étonnant d'arriver ici, d'avoir une drôle d'odeur. Mais ça va? Oui. Quel est votre prénom? Karine, avec un K. Karine avec un K. Tu m'as toujours appris à avoir des émotions dans les émissions de télévision. Et des liaisons, visiblement. Oui, voilà. Je voulais juste te dire que nous sommes en train de tourner sur le plateau mitoyen. Je sais, vous êtes juste à côté. Absolument. D'accord. Et Karine, qui est ici, est dans le public. Et je lui dis, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Elle accompagne un lycée agricole dans l'Aisne. Et Karine, je lui dis, mais vous avez déjà assisté à une émission de télé? Elle dit, non, c'est la première fois. Je lui dis, mais cool. Vous connaissez notre émission? Dans les 12 coups, oui, dans les 12 coups de midi. Et elle dit non, je ne connais pas du tout votre émission. En revanche, je suis fan de N'oubliez pas les paroles. Et donc, les élèves. Alors, c'est gentil d'être honnête et transparente, mais quand même, oui, vous êtes honnête. Enfin, vous arrivez sur un plateau, vous dites je vous connais pas. C'est quand même bizarre, non? Pardon? Je ne connaissais pas le principe de l'émission. De la mienne? Oui, ah oui, c'est ça. Mais de la tienne, elle la connaît par cœur. Alors, vous connaissez le principe de l'émission? Le principe de l'émission, c'est de... Trouver les paroles. Et vous savez que Jean-Luc Reichmann est un très très bon chanteur? Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Tiens, bouge pas, regarde. Non, je vais... Voilà. Une chanson au hasard. Et, ouais. Et on va voir s'il connaît les paroles. La vache! Jean-Luc Reichmann, ouais. C'est parti. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre ta couler. N'oubliez pas les paroles, j'adore. trop fort. Jean-Luc Reichmann. Alors, faut se dire que, on va quand même vous raconter, on se connaît depuis 33 ans minimum, ça va pas nous rajeunir minimum, cette histoire. C'était en 1989. Ce mec-là, acteur, imitateur, je me souviens des spectacles avec Savary que tu faisais également. Les précieuses ridicules, oui. Voilà, non, mais avant d'être animateur, en tout cas, il y avait ce bagage-là qui est extraordinaire. Je tiens à préciser que c'est grâce à Nagui que je suis devenu aujourd'hui ce que je suis. Pas du tout, je suis... Car tu m'as laissé la porte ouverte, le micro ouvert. Ah, je t'ai laissé la porte ouverte pour que tu te casses. Oui, c'est ça, Et j'ai fait attention à toutes les marches, bien évidemment. En tous les cas, voilà, c'était juste pour dire que... Karine est fan de toi, elle connaît ton émission par cœur. Oui. Je reviendrai avec mes élèves. Évidemment. Elle reviendra avec ses élèves. Revenez avec les élèves et quand vous serez là, je vous parlerai. Vous dites non, mais moi j'aime que les 12 coups de midi. Puis comme ça, on aura fait voilà, le match. Comme ça, on aura. Ok, ça marche. En tous les cas, je voulais te remercier. T'es fou. Et reste tel que tu es. Ah ben, je ne peux plus rien changer. Là, c'est trop tard. Et je vais dire à la France entière, je t'aime très fort. Oh, arrête.